Alors merci au CESE de son invitation pour parler francophonie. C'est important, c'est un sujet parfois un peu oublié et sur lequel on a la chance d'avoir cette année, pour la première fois depuis 1991, tous les pays francophones membres de l'Organisation internationale de la francophonie qui vont se réunir à Villers-Cotterêts puis à Paris au mois d'octobre prochain. Et donc je crois que toutes les institutions françaises, y compris l'AFD, avec leurs partenaires francophones, doivent contribuer. Et donc pour faire ça, j'ai confié à Safia Autocoré, Ibrahim Netter, notre collègue qui est la directrice à Kinshasa, le plus grand pays francophone du monde, d'animer en interne avec une quarantaine d'autres directrices et directeurs un groupe de travail pour faire des propositions innovantes et contribuer à renouveler toujours nos liens qui sont anciens, historiques, mais qui, je crois, sont plus nécessaires que jamais dans un monde qui se fragmente et qui, en même temps, se renforce. La francophonie, c'est à l'évidence un espace économique. La proximité par la langue, le stock des investissements, le commerce, l'action, par certains aspects de 40%. Les 14 milliards d'euros que chaque année l'AFD investit dans le monde, c'est dans un territoire francophone qui appartient à la francophonie. Donc on a beaucoup de choses dont on a peut-être pas toujours fait la somme. Donc j'accueille avec beaucoup d'intérêt d'avoir un travail sur la dimension économique de la francophonie, en plus, à côté, au-delà de sa dimension culturelle, sa dimension politique aussi, autres volets qui seront certainement étudiés, élaborés, explorés à Villers-Cotterêts. Bon, la francophonie, ça n'est pas que l'Afrique, mais c'est bien sûr beaucoup l'Afrique. C'est là que vous avez cette formidable, puissante poussée démographique avec de très nombreux jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qui apportent leur force de travail, leur énergie, mais qui ont besoin évidemment de formation, de structuration, d'appui, de financement aussi. Et donc on a une grande offre à l'AFD avec notre filiale Proparco, notre filiale Expertise France qui s'appelle Choose Africa, en bon français, qui est le rassemblement de tous les outils d'appui à l'entrepreneuriat et au secteur privé africain. Et en son sein, une initiative très concrète, on appuie au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, des banques publiques de développement, un peu comme nous l'avons, nous, BPI France, ici en France, et qui a joué un rôle très important depuis 2012 pour structurer le tissu des entrepreneurs et l'accompagner dans les systèmes financiers d'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence. Souvent, il n'y a pas cette composante publique qui est nécessaire pour qu'ensuite les entrepreneurs accèdent à des financements bancaires. Donc on discute avec les gouvernements qui vont le faire à leur façon, mais on apportera des financements pour avoir cette BPI France, cette composante publique dans le système financier pour faire passer à l'échelle, accompagner beaucoup plus de créateurs d'entreprises et donc de créateurs d'emplois pour la jeunesse africaine.